Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes de Amour Sucré avec l'épisode 7, la pyjama party. Melody organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Bonjour Feragie, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super, je suis contente pour toi. Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivée tout seule. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements, alors je te souhaite une bonne continuation. Ok, merci toi aussi. Il est parti. Bonjour Feragie. Salut Rosalia. Alors, tout s'est arrangé avec Lei? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh, Feragie. Salut Mélodie, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas, bon anniversaire. Merci, mais c'est pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé, mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir et comme je voulais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air cool! Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Écoute, ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra même si tu les préviens tard. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner les invitations aux filles? Ce sera plus rapide. Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia, Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne, et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy? Oh, Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel, lorsque les examens ont été volés. Je ne lui en veux pour ça. Oui, c'est vrai. Elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok, c'est parti. Alors, tu t'es bien amusée pendant que je n'étais pas là? L'ignorer. Regarde-la, les filles. Regardez-la. Elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. Non, j'ai juste pas le temps parce que j'ai des invitations à donner. Salut, Mélodie. Salut. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu veux y venir? Oh non. Tu y vas aussi? Si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui rendre maintenant. Ouh, si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais, je pourrai apprendre des choses à ton sujet. J'espère toujours. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourra comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Tiens, tiens, voilà Rosalia. Mélodie fait son anniversaire ce soir. Tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Lei a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. Salut Lysandre. Bonjour Feragie. Tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois. J'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Oh, je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Tu es un vrai petit poisson rouge. Tu n'as aucune mémoire. Et toi, tu n'es pas très subtil. Hein? On va se dire à chaque fois nos qualités et nos défauts à chaque fois qu'on se croise. Ah, Kim. Tu n'as rien de prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et tu y es invitée. Mélodie, ah ouais. Je vois qui c'est. Non, désolée, je suis pas là ce soir. Oh, ça avait l'air important pour elle. Tu ne peux pas annuler? C'est pas le genre de truc où on peut annuler, tu vois ce que je veux dire? Bon bah, prends l'invitation quand même au cas où tu changes d'avis. Cherche pas, je peux pas, vraiment. Désolée pour Mélodie. Ok, bonne soirée. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Mélodie fête son anniversaire et elle t'a invité. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je ne savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Super! Tiens, c'est son invitation. Je lui ai donné l'invitation. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? T'es bien curieuse, petite. Quelque chose qui te regarde pas. Allez, un indice. Un truc perso. Ça ne m'aide pas beaucoup. Quelle petite cachotière. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non, pourquoi j'aurais dû le savoir? Cette fille traite toujours près de l'autre idiot de délégué. Alors, à part son prénom, je sais pas grand-chose d'elle. Tu devrais être intéressée un petit peu aux autres, tu sais. Mais je m'y intéresse. Je sais qu'elle est souvent dans la salle déléguée. C'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est pas faux de ce côté-là. Ça
Ça me fait penser qu'il faut que je passe un coup de fil avant ce soir. Bon, qui y reste? J'ai hâte d'y être maintenant. Ouh, j'ai intérêt à faire attention à ce que je dis ce soir, moi. Ça va me retomber dessus. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée, alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il se passe rien, très bien. Puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Ouh, je ferais mieux de l'éviter, au moins jusqu'à ce que l'anniversaire de Mélodie soit passé. Dis ? Oui ? Le poème pour Rosa était vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. Si l'occasion se présente, je t'en ferai lire une. Intéressant. Il est en train de lire un magazine, ça a l'air de l'amuser. Il faut que je trouve un cadeau pour Mélodie. J'ai donné toutes mes invitations et toi, moi aussi. Mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Oh vraiment dommage. Déjà tout le monde peut venir, c'est quand même pas mal pour une soirée de pyjama qui est dans quelques heures. En tout cas merci pour ton aide, je suis sûre que nous allons passer une très très bonne soirée. Bien sûr. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller bien. En même temps, elle n'a pas l'air d'aller bien très très souvent. On va lui poser la question quand même. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Violette? Oh, rien, rien du tout. Tu ne sais pas mentir, Violette. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux, mais si jamais tu t'en changes d'avis, je suis là. J'irai la voir un petit peu plus tard pour voir si on peut pas lui rendre un petit service. Elle n'a pas l'air dans son assiette. Feragie? Oui. Finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Promets-moi de ne pas te moquer de moi, d'accord? Promis. Voilà. Comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance et je l'ai perdu. C'est pas bien grave, on va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant, c'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ok, je comprends. C'est vrai? J'avais peur que tu te moques de moi. On a tous une peluche, ou un doudou. Et j'ai eu un doudou pendant très 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 longtemps. Il existe toujours, mais je dors plus avec. Mais j'ai dormi avec jusqu'à mes 20 ans. 22 ans. Peut-être 23. Bon. Soit. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle, étant petite, et maintenant je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. Tu viens avec ta peluche au lycée? Oh. J'étais pourtant sûre que c'était une blague. Bon, tu veux que je t'aide à la trouver, cette peluche? Ce serait gentil. Ok, je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. Fais attention si tu la retrouves, que personne ne te voit avec. D'accord, donc je dois trouver une peluche et je dois la cacher. Génial! Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Je suis désolée, mais lui, c'est un peu le gars parfait sur certains points. Tu lui as fait un petit cadeau? Non, je lui ai seulement souhaité un bon anniversaire. Et moi, tu me feras un cadeau pour mon anniversaire? Bien sûr. Oh, il est trop mignon! C'est vrai? Purée, c'est trop chou. Il vient de m'avouer un truc, là. Bon, elle est où, cette peluche? Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Pour l'instant, il faut qu'on retrouve ta peluche. Ça me fait penser que l'anniversaire de ma mère est pour bientôt. Ça me fait penser que je ne trouve pas cette peluche. Où est-ce qu'elle peut être? J'ai pas les yeux en face des trous, hein. Surtout qu'elle est souvent au club de jardinage, elle, donc je me serais dit elle est au club de jardinage, mais... J'ai pas les yeux en face des trous. À quoi elle ressemble, à votre avis? C'est ça, là? D'accord. Je crois que je l'ai trouvé. Tiens, mais regardez qui est là! Bon, elles vont me laisser tranquille, elles. Ignorance! Hé, mais qu'est-ce que je vois passer dans ton sac, là? Pardon? De quoi tu? Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée. Haha, mais tu as quel âge, sérieusement? Ce n'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr, c'est celui de qui, alors? J'ai promis à Violette de ne pas en parler. Je le savais. Elle est à toi, hein. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, tu as 5 ans d'âge mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Pfff. Hein? Tu as entendu? Moi? Non, je n'ai rien entendu du tout. Ne te moque pas de moi, t'es marrante. Je n'ai pas tout compris, là. Bon, il faut que je retrouve Violette.
Ça y est, j'ai trouvé ta peluche. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la trouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Ok. Au fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je sais pas du tout quoi lui prendre. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous lui cachez quelque chose? Oui, on ne lui dit rien à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je ne lui en ai pas parlé alors. Et pour le coup, t'auras pas une petite idée pour un cadeau? On est un peu à court d'idées là. Tiens Iris, est-ce que tu auras une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ce sera pour une prochaine fois. Dommage. Mais tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir. C'est un groupe amateur qui débute tout juste. Mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais lui prendre un album? C'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom, c'est Star From. Ok. Ou quelque chose du genre. On va passer au magasin pour aller voir ça tout de suite. C'est celui-là. Parfait. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Ah. Bon, bah, on repart en ville. Où est-ce que j'achète un nouveau pyjama, moi? C'est ta dernière chance. Si tu me dis maintenant ce qui se passe, j'oublierai toute cette histoire. Mais puisque je te dis qu'il n'y a rien, ne me mens pas. Tout le monde a éludé mes questions aujourd'hui. Je ne sais pas quoi lui répondre. Très bien. La prochaine fois que j'ai une info en or, ne compte pas sur moi pour t'en parler. Tu pourras me supplier, je ne dirai rien. Bah oui, mais moi non plus, j'ai rien le droit de dire. Hein. C'est un secret. Bon, il faut qu'on mette pour les idées, là. Pas encore parti chez Mel? Non, je ne vais pas tarder. Qu'est-ce que tu fais? Ambre vient de passer. Quoi? Elle a fait quelque chose? Elle raconte à tout le monde que tu emmènes une peluche au lycée. Ah ouais, je m'en fiche, ne t'inquiète pas. Je suis vraiment désolée alors. Je lui ai dit que c'était la mienne. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je me suis dit que tu aurais fait la même chose pour moi. Oh, c'est trop mignon. Mais qu'est-ce que vous manigancez à la fin? C'est bientôt l'heure. J'espère que je n'ai rien oublié. Il me faut un pyjama. Faut peut-être que j'aille directement à la boutique en fait. Oh, ça a l'air d'être ça. Je pense que c'est ce petit truc à la fraise. Pantalon, pyjama, jaune fraise. Pantalon, pyjama, chinois vert. Ben moi je veux le jaune fraise. Oh, les jupes sont trop belles. Bon, j'ai le pantalon, il me faut le haut de pyjama. Le petit pyjama fraise qui va bien avec. Et on devrait être pas mal. Il y a peut-être des chaussons aussi. Il y a vraiment des chaussures trop mignonnes. Hein. Sur Liège, nous il nous faudrait les petits chaussons. Lolita rose. Est-ce qu'il y en a au moins des chaussons? C'est même pas sûr. Hein. Peut-être dans chaussettes. Ouh, des chaussettes. Chaussettes lacées violets. Moi je dis ça mérite des petites chaussettes roses pour aller avec cette tenue fraise là. Est-ce qu'on a besoin d'un bonnet de nuit? Je pense pas. On va regarder quand même tout ce qu'il y a. Il y a peut-être un petit bonnet de la night. Moi je dis ça mérite les petites oreilles roses pour aller avec le pyjama fraise. Hein. Bon bah je crois qu'on est bon. Hein. On va retourner au lycée. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Foragie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un petit service. Oui, quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurait? Si jamais elles voient la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, d'accord, ça peut te rassurer, ça ne coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche? Oui. Ok, donc maintenant il faut que j'aille chercher une peluche. Génial. Et il me faut une peluche. Je sais pas ce que je vais prendre. Celui-là est trop chou. Chat bizarre. Bah, je pense que ça va être un chat bizarre. Celui-là est mignon aussi. Lapin pirate. Bon, allez, va pour chat bizarre. Bon, on va pour lapin pirate aussi. Oh, il est plus à vendre. On peut en prendre qu'un. Et bah, c'est parti pour mettre ma petite peluche, j'ai envie de vous dire. C'est bien parce que ça va pas du tout avec ma tenue. Mais pas du tout. Mais c'est mignon. Voilà, j'ai mon chat bizarre avec ma petite tenue fraise. C'est parfait, c'est tout à fait moi. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie, tranquille. Oh, merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Un chat. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je ferai mieux de trouver Mélodie qu'on aille chez elle. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, on y va. Génial. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voilà ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Bon, bah on visite sa maison, c'est parti. Le couloir, la salle de bain. La maison de Mélodie est plus grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qu'il se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave.
On va aller tout récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je peux pas y aller, je ne vais pas laisser les filles toutes seules chez moi. Ok, je vais y aller en vitesse. Tu sais ce que tu as laissé? Elles sont dans mon casier. Au fond du couloir. Je ne ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne fermes jamais? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleurs dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu à ce sujet. Bon, bah je vais chercher tout ça, ça devrait pas être très long. On a dit au fond du couloir, dans le casier. Alors, ça doit être là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si c'est pas difficile à deviner qui a pu faire ça. Oui, on sait très bien qui a pu faire ça. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs. Comme quand j'étais seule pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore la tare pour travailler. Eh bah oui. Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Ah, j'en ai autant à ton service. Tu ne rentres jamais chez toi? J'arrive mieux à me concentrer en étant ici. C'est beaucoup plus calme. Oui, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard. J'ai cru entendre des rires. Des rires, je vois. Je vais aller voir. Mais bon, je me doute que c'est ta chère et tendre sœur. Et qu'elle est dans le lycée. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi, tu es là pour rattraper ton retard, peut-être? Parle pour toi. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous faites en train de manger? Oh, ça! Quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'est dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de... Y en a marre à la fin. C'était à Mélodie. Elle ne t'a rien dit, que je sache. Elle ne t'a jamais rien fait. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché. C'est bon, ce n'était que des paquets de chips et des boissons. Pas de quoi en faire, pas de quoi me faire la morale. T'as qu'à lui en racheter. Tu me dégoûtes. Il va falloir que j'achète tout ce qu'il faut maintenant. Ok, c'est parti pour aller chez Monsieur Bazar. Au moins, j'ai tout et on pourra faire une vraie fête. On rentre. Je vais tout retourner et donner ça à Mélodie. Si je la trouve, bien sûr. Oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu t'es mise en pyjama. Désolée, Feraji, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi. C'est pas grave, j'allais me changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Oh là là, qu'elle est belle. Ok, merci Rosalia. Waouh, le pyjama de Rosalia, il va comme un gant. Oui, j'étais aussi en train de trouver ça très très bien. Tu en as mis du temps, tu as eu un problème? Oui, Ambre avait mangé tout ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait faire les restes du frigo. Ça n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo. Je pense que tout le monde... Je pense pas que tout le monde aime. Burk. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Ok, je me change tout de suite. En fait, j'étais déjà en pyjama, je suis allée au lycée en pyjama, mais c'est pas grave. On va bien s'amuser. Bien sûr. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. J'avais mis mon pyjama sous mon manteau. Il est trop mignon ton pyjama Feraji. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il y a bientôt plus de chips. Il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien avec Rosalia. Et elle a fini par piquer l'oreiller de Violette pour l'attaquer. Capucine. Pour attaquer Capucine après une blague. Ok, c'est bataille d'oreiller quoi. Tout s'est fini en bataille de polochons jusqu'à ce que nous reprions une conversation normale. Nous avons commencé à parler de garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Feraji? Ça, c'est la mauvaise question. Dans le sens où il y a l'espèce de méchante Peggy que si elle m'entend, je suis sûre qu'elle va vouloir pourrir mes relations. J'ai pas trop de préférence. C'est vrai qu'ils sont tous gentils. Oui, si on veut, oui. Comme on est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur moi. Tu es bonne amie avec Nathanaël, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent. Oui, il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand j'y suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça avant, lorsqu'il était plus jeune. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Tu devrais peut-être lui poser la question. Et il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lysandre t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leigh est très gentille. Je considère Lysandre comme mon petit frère. Tu le connais bien alors, parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire de lui. Désolée, les filles. Allez, Rosa. Tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Bon, ouais, il faut se méfier.
Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Je n'en sais pas plus. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein? Promis. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec quel garçon? Non, enfin, oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken, elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, et il va bien? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferai mieux de demander à Iris directement. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge violette. Hihihi. Et toi, Capucine? Moi? J'ai bonne mémoire. Non, je veux dire... Je ne t'ai jamais vu parler à l'un de ces garçons du lycée. Je n'ai pas besoin. Andrew me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pas pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je le dirai pas, hihi. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'ai à mener mon enquête moi-même. Donc Ambre, elle est amoureuse de Castiel. Donc sinon on sort avec Castiel, en gros Ambre elle est en PLS quoi. Où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû, c'était une fête un peu improvisée. Je ne vous aurais pas voulu si vous ne m'aviez pas emmené de cadeau. Elle était même complètement improvisée ta fête. Tiens Mélodie, c'est mon cadeau, j'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh l'album, trop cool, j'adore ce groupe. Ils débutent tout juste mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit, Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures, et moi sur un petit matelas. Comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Ah, et bah moi j'ai bien dormi pour le coup. Pyjama party, j'ai dormi comme une grosse. Bon et ben voilà, ce petit épisode est terminé, cette petite pyjama partie c'est bien fini avec mon beau petit pyjama fraise. Je suis bien contente, il est bien cute. Et voilà, j'ai préféré pas en parler parce que j'avais vraiment peur de dire pour quel garçon j'en pensais. Et surtout moi-même j'hésite encore un petit peu. Donc je me dis si je le dis et jamais elle le répète à Ambre ou que ça fait des grosses histoires derrière, je préfère rester un peu secrète et on verra plus tard comment ça se passe. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Je vous laisse laisser un gros pouce bleu et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !